Ote, aluyele. Jawe, jawe, kapa, kapa. Je pense que ote, ou animara réseaux sociaux sur où. Ça a pris, ça a remué. Taguez-moi, Bakantigi ici. On va faire Djerkarubaya conversation. Voilà. Bon, 650. Bref de bavardage. Je vais dire ce que j'ai à dire ici, quoi. Parce que souvent, les gens ont tendance à confondre les pédales. Barkatigi, mets-toi à l'aise, my sister. Mets-toi à l'aise. C'est pas pour te manquer de respect ni rien. Aujourd'hui, j'ai un cousin qui m'a envoyé une telle vidéo. Depuis que tu as fait la vidéo, c'est aujourd'hui que j'ai vu la vidéo. Mais ma soeur, pardon, je t'en prie. Pardon, pour l'amour du ciel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer Fadiga. Fadiga souvent critique des gens. Fadiga critique souvent les personnalités publiques. Donc quand on critique Fadiga, ça ne peut pas lui faire mal. Mais ma soeur, parce que c'est toi, c'est pourquoi je parle, quoi. J'ai vu ta vidéo. C'est vrai, tu ne m'as pas manqué de respect dans ta vidéo. Et même si tu le faisais, je ne crois pas que moi, j'allais te manquer le respect. Le ton que tu as utilisé, peut-être c'est un ton auquel tu es habitué maintenant, quoi, en faisant les lives. C'est pas grave, j'admets. Mais la seule chose qui m'a fait mal, c'est de transformer ma vidéo comme tu veux, quoi. Ma soeur, pardon, s'il te plaît. Je suis sûr, tu es avec certaines personnes qui me connaissent bien. Je n'ai pas peur. Je n'hésite même pas. Tu me fais, je le fais. Coup sur coup. Certes, on t'a juste expliqué la vidéo. On t'a dit, vas-y, il faut attaquer Fadiga. C'est pas grave. Mais si tu n'as pas vu la vidéo, va revoir ma vidéo. Si tu n'as pas l'habitude de voir moi mes vidéos, fais quelques juste survol de mes vidéos. Tu vas voir mes vidéos. Mon éducation ne me permet pas d'insulter. Les gens prennent certains propos pour des injures qui ne sont pas. Quand moi ce soir ma photo ruinée. Dire à quelqu'un qu'il est maudit, c'est pas injure. Hein. Ça veut dire dankadi. Et depuis que j'ai commencé à me faire mes vidéos, depuis que j'ai commencé à parler des maudits blogueurs là, j'ai toujours dit maudits blogueurs. Je n'ai jamais dit maudite blogueuse. Je ne l'ai jamais dit. Quand j'ai commencé à le dire, j'ai encore fait une vidéo. La même vidéo, je dis les femmes, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Ne le mets même pas dans ta tête, c'est pas à vous je le disais. Ils se connaissent, ce sont des hommes. Je ne peux pas taper ma poitrine devant une femme. Je ne peux pas attaquer une femme si elle ne dépasse pas les bornes. J'ai toujours été attaqué par des femmes sur les réseaux sociaux. Je reste nickel. C'est pas mon problème. Barkatigi, si tu as une dent contre UFDG, faut régler ça avec UFDG. Ma vidéo dont tu as fait allusion sur Facebook, je n'ai même pas prononcé UFDG dans la vidéo. Je ne crois pas tout RPG réuni s'il y a quelqu'un qui a critiqué UFDG plus que moi. Ça n'existe pas. C'est soit tu ne comprends pas le français ou tu ne comprends pas le soussou. Parce que ce sont les deux langues que je dis dans cette vidéo. J'ai critiqué, j'ai ma tante qui me regarde là. J'ai critiqué UFDG plus que n'importe qui. Et au moment où personne n'osait critiquer UFDG, c'est en ce moment que moi seul, Fadiga seul, critiquais UFDG. Il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué UFDG plus que moi.
Je ne crois pas s'il va exister quelqu'un qui critique RPG plus que moi. J'ai toujours critiqué RPG. Bien avant que vous ne commenciez même à faire des vidéos, bien avant que vous ne commenciez à vous faire appeler RPG, RPG. Moi, je critiquais RPG. Et les gens qui étaient là, qui étaient des communicants du RPG, on était toujours des amis, on se parlait avant, après les vidéos. Mais vous, vous venez d'arriver, vous croyez que Facebook, c'est pour vous, quoi. Vous croyez que la vérité, c'est pour vous. Vous croyez que la parole, vous êtes les seuls à pouvoir parler, quoi. Donc, moi, j'ai jamais insulté. Hein. Erar lira senderaba. Faut faire un yerekolobaya de ta tête pour bien comprendre ce que moi je dis. Et j'assume tout ce que j'ai eu à dire. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu as quelque chose à régler avec UFDG, il faut régler ça avec eux. Si moi, je voulais rentrer dans UFDG, j'allais pas me cacher. Hein. Je dirais, je suis de UFDG. Et j'allais être un cadre du UFDG. C'est pas sur les réseaux sociaux. J'allais rester. Hein, pour dire, je suis de UFDG, je suis de UFDG. Pendant ces élections, je l'ai dit, je le répète, j'ai supporté la candidature de Seydou Alain Diallo. Donc, j'ai supporté UFDG pendant les élections. Bien avant de les supporter, j'ai dit, après les élections, finish mon soutien, finish à UFDG. Et je redeviens fatigué. Et c'est ce que j'ai eu à faire. Après ces élections, si je dis, si je vais critiquer, je dis les Guinéens. Parce que moi, toutes mes vidéos, c'est les Guinéens. C'est pas UFDG, c'est pas RPG. C'est pourquoi les gens se demandent souvent, Fadiga, lui, il est de quel camp? Si je suis de UFDG, je vais te dire, ma soeur, je suis de UFDG. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas couper ma ration, si je le dis? Tu vas me mettre en prison? Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras que constater. Si je veux aller en Guinée, j'irai en Guinée. Ce n'est pas à toi de me dire, tu ne vas pas, tu ne vas pas. Ne rentre pas dans ce jeu-là, ma soeur. Quand je serai prêt d'aller en Guinée, tu verras toi-même. Je viens de quitter la Guinée. Tu crois que c'est pour le plaisir seulement on voyage? Le voyage, ça se prépare quand tu quittes surtout les États-Unis. Je ne parle pas de l'Europe. Le transport même, c'est quelque chose. Voilà. Parce que vous vous êtes transformé en juge sur les réseaux sociaux. Lui, il doit aller en prison. Lui, il ne doit pas aller en prison. Je crois que c'est vous qui êtes venu sur les réseaux sociaux pleurer encore. On n'a rien fait pour nous. On n'a rien fait pour nous. Toi-même, Tigui, tu as pleuré sur les réseaux sociaux. Donc, on ne va pas refaire l'histoire. Si je dis je suis dans rien, ce n'est pas par rapport au RPG ni par rapport à UFDG. Avant, chaque fois, je faisais des vidéos. Je dis les maudits blogueurs, ils se connaissent. Et puis je précise, je dis les communicants ne font pas partie parce qu'ils sont des maudits blogueurs dont je parle. Je t'ai jamais insulté, Tigui. Mais si tu l'as mis dans ta tête, tu es venu sur les réseaux sociaux, que j'ai passé tout mon temps à t'insulter, je t'ai jamais insulté. C'est un big respect avec toutes les femmes. Mais si tu veux continuer, continue, tu vas avoir un autre fatigue. Mais je pense que tu ne m'as pas manqué de respect dans ta vidéo, mais c'est le ton et le mensonge que tu as développé dans ta vidéo. Sinon, mon cousin qui m'a envoyé la vidéo, il a dit, ah, ne fais pas, ne fais rien, ne fais rien. Parce que moi, j'aime bien la fille. Je n'ai pas aimé ton mensonge dans la vidéo. Que moi, j'ai dit, UFDG, vous êtes comme ça, je ne suis plus là-dedans. Non, va écouter la vidéo. Peut-être qu'on t'a dit, Fadiga a dit ça, Fadiga a dit ça. Peut-être c'est toi qui as même donné l'occasion à ces maudits. C'est toi qui lui as donné l'occasion de m'insulter. Mais ma soeur, reste tranquille. S'il te plaît. Tu peux critiquer Fadiga, tu peux dire tout sur Fadiga, mais ça m'a surpris venant de toi. Ça m'a surpris ces mensonges venant de toi. Je ne te connais pas comme ça. Barkatigi, c'est la première fois que je dis le nom de quelqu'un dans mes vidéos. Parce que je ne te clash pas. C'est la première fois. Sinon, critiquer quelqu'un, clasher quelqu'un, je le décris. Même Mahmoud Silla, qui était mon ami là, qui est parmi vous, demande-lui. Fadiga n'a pas peur. Si moi, je voulais gagner de l'argent depuis mon séjour à Conakry, lui, il le sait.
Certes, toi, tu ne me connais pas, mais lui, il me connaît. Peut-être qu'il a même pas mal parlé de moi à toi, mais il me connaît. Je ne souffre pas, je n'ai pas un problème d'argent. Je travaille bien, j'ai un bon travail qui est très bien payé aux États-Unis. Très, 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 très bien payé. Je n'ai pas ce problème. Les réseaux sociaux, ça ne sert à rien, c'est ce que j'ai eu à dire. Ça ne sert à rien. Vous faites rire quand vous dites que celui-là m'a donné l'argent, il a fait ceci, il a fait cela. Tigui, laisse ma famille en dehors des réseaux sociaux. Ma vie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas comme les maudits là. S'il te plaît, Tigui. C'est la première fois depuis très longtemps que je fais une vidéo. Je m'adresse directement à une personne. Ma soeur, arrête. Tu vas sur un mauvais chemin. Attaque-toi à UFDG comme tu veux. Ou Rakomba et Rabana comme vous voulez. Et dans ta vidéo, tu dis que moi j'ai lancé une cagnotte. Je t'ai jamais dit dans ma vidéo que j'ai lancé cagnotte. Je le fais jamais. J'ai jamais fait. Je demande pas l'argent, je collecte pour quelqu'un, je lui donne. Quand je lance un SOS pour quelqu'un, je donne son numéro. Je le fais avec la personne. Devant tout le monde, je donne son numéro. Je dis donnez-lui l'argent. Même les gens qui m'appellent après, ils disent je veux cotiser pour cette personne. Je leur dis, peut-être certaines personnes regardent. Attends, je te donne le numéro de la personne. Tu l'envoies directement l'argent. Parce que c'est affaire d'argent là. Moi, je ne suis pas là-dedans. Alors, nous, bring, cliquez en arrière. Moi, je n'ai jamais fait collecte. Je n'ai jamais appelé collecte pour quelqu'un. Si tu ne comprends pas, écoute très bien. Je dis les gens, parce que j'ai dit on, peut-être c'est ce qui t'a trompé. Les gens ont appelé SOS pour Madik. Je suis parti regarder parce que c'est au vu de tout le monde. Je suis parti regarder jusqu'à la dernière fois que j'ai regardé. C'était 400 $. C'est ce que j'ai développé dans ma vidéo. J'ai jamais dit que j'ai appelé SOS pour quelqu'un. Personne ne m'a vu appeler que j'appelle personnellement SOS pour qu'on me donne, pour que je remette à une personne. Si je lance SOS pour quelqu'un, c'est avec la personne que je fais. Je lui dis donne ton numéro. Les gens vont t'envoyer directement. Et je ne suis pas comme ça, hein. Moi, je ne suis pas avide d'argent. Hein. Demande très bien, Mahmoud. Tu dis, Fadiga, est-ce que lui, il est comme ça? Est-ce qu'on peut acheter sa tête? Je ne crois pas qu'il y ait un politicien en Guinée qui puisse appeler, acheter moi ma conscience. Voilà, il n'y a pas d'âme incorruptible. Il suffit de fixer le prix. Mais je ne crois pas qu'ils aient le prix là. Voilà. Donc, pardon. Reste dans ton coin. Pardon. Ne mélange pas les choses. On n'a jamais eu à échanger. Certes, on voit nos vidéos sur les réseaux sociaux. Et peut-être que tu n'as pas vu ma dernière vidéo. Je t'ai jamais dit que c'est un UFDG qui m'a appelé. Je t'ai jamais dit que c'est au UFDG que je m'attaque. La manière dont moi j'ai critiqué UFDG même, toi tu ne feras même pas la moitié. Certes, vous les insultez, hein, vous leur manquez de respect. Mais moi, je les ai critiqués, on m'a insulté. Je les ai critiqués. Les RPG, je les ai critiqués. On m'a insulté. Tout le monde se demande quel parti j'appartiens. Tout le monde dit tu es du RPG. Tout le monde dit tu es du UFDG. Je m'en fous. Sidia, je l'ai critiqué. Il y a quel parti en Guinée que je ne critique pas? Donc, si je dis que je me concentre sur ma vie, ce n'est pas parce que je suis déçu des UFDG. Je ne suis pas déçu des UFDG, hein. J'ai supporté la candidature de Cyril Dalin, donc j'ai supporté UFDG pour ces élections. J'ai dit après les élections, c'est fini. Après les élections, effectivement, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? La situation continue. J'ai eu à dire que les Guinéens ne comprennent pas. Nous, on a dit qu'on veut un changement. Les Guinéens n'ont pas accepté le changement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je vienne insulter les RPG, les UFDG? Tu veux que je continue à dire toujours maudit blogueur, maudit blogueur? Pourquoi? Je vais lui dire, c'est fini, ça ne sert à rien. On a voulu éveiller les consciences des Guinéens. Ils ont choisi Alpha Condé, et puis c'est tout. C'est ce que j'ai eu à dire dans ma vidéo. Moi, ne me mets pas dans ces choses-là, s'il te plaît. Continue ton combat contre les UFDG, ils vont te répondre, parce qu'ils ont des gens qui vont te répondre. Ne me mets pas là-dedans. Pardon, ma soeur. Pardon, pardon. Parce que ça, c'est toi, quoi. C'est pourquoi je parle comme ça. Donc, parce que ça, c'est toi et c'est pourquoi je parle calmement comme... C'est pourquoi je dis même ton nom. C'est pourquoi je dis ton nom.
Parce que ça m'a surpris venant de toi. Et je ne te connais pas comme ça. Je ne savais pas que toi aussi, tu mens quoi. Excuse-moi du terme. Mais parce que ce que tu as fait, c'est un mensonge que tu as développé dans ta vidéo. Va regarder ma vidéo. Ce que j'ai eu à dire. Moi, j'ai parlé des Guinéens. Je n'ai jamais parlé des UFDG. Je vais les critiquer. Pourquoi? Ils sont dans. C'est eux qui gèrent le pouvoir ou quoi. Et moi, je n'ai jamais été contre Alpha Condé. C'est contre son système. Donc, Alpha Condé qui est à la tête, c'est lui que nous critiquons. J'ai arrêté les critiques. Ce n'est pas parce que j'ai peur ou quoi, mais je me consacre sur ma vie. Moi, j'ai un travail qui ne nécessite pas la distraction. Voilà, je dois me concentrer 100% à tout moment. Donc, franchement, continuez vos combats ailleurs. Les Oulada dont vous applaudissez là, le maudit là, lui me connaît très bien. Parce qu'on parlait chaque fois, il me demandait un conseil. Lui-même, tu sais très bien. Hey, Intorien, ma soeur, Barkatigi. Donc, tranquille. Reste tranquille, s'il te plaît. Fais tes vidéos. Si tu veux me critiquer, critique-moi. Mais, il y a ma vidéo, tu me dis, il y a une roulée d'arrière. Ça ne pourra pas marcher avec moi. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Je t'ai jamais insulté. Je n'ai jamais insulté les blogueuses du RPG. Je ne l'ai jamais fait. Tu ne sortiras jamais une vidéo où je dis les blogueuses du RPG. Et quand j'ai commencé à les surnommer même, j'ai dit, les femmes, vous ne faites pas partie. Si tu sais que tu n'es pas une femme, Awefanayama. Si tu n'es pas une femme là, si tu es un homme là, Awefanayama. Parce que j'ai eu à dire, les blogueurs, les maudits blogueurs, et puis les maudits blogueurs, donc voilà, donc ma soeur, continue ton combat. Onu famille Ranawanameni, Onu Djibril Azira, et moi, je suis concentré sur mes choses, et puis le jour venu, le jour où je serai prêt pour aller en Guinée, la Niril Manaf, les Benna, la Guinée. Voilà, donc tout le monde n'est pas pareil. Moi, je n'ai pas insulté les militaires, dire à quelqu'un, Guantanamo Naura, du Guinée Naura, ça c'est injure ça. C'est injure ça. Non, Tiki, toi aussi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement? Dis-le, Falafi. Tu as passé tout ton temps à insulter Alpha Condé. Sors-moi une seule vidéo où j'insulte Alpha Condé. Il y a quelqu'un ici qui s'est pris avec Madik plus que moi. On ne s'entendait même pas. Tout le monde n'est pas témoin de ça. Et puis, réseaux sociaux aura. Succès sur le modèle, il est au niveau de la Guinée. Les exemples, c'est sur moi. Il m'a dit qu'on prenait souvent. Parce qu'on n'était jamais d'accord. Tout ce qu'il faisait, je n'étais pas d'accord. Mais il reste mon ami. Il reste mon ami. Il y a certaines de ses vidéos où il faisait contre Fadiga. Les gens prenaient, ils disent qu'il fait contre la Guinée. Mais il n'a jamais parlé de la Guinée. N'a armé, n'a rien acquis. C'était pour me montrer. Et c'est que tu n'avais pas. Voilà, donc c'est ça, et moi, le travail m'appelle. Tigui, fais beaucoup attention. Il ne faut pas t'en parler. Tu t'en parles à la mauvaise personne. Je n'ai pas été des UFDG, mais j'ai supporté la candidature des UFDG. Et si c'est à reprendre même maintenant, là, je pourrais le faire. Voilà, donc, tranquille. Reste dans ton coin, je n'ai pas à critiquer Alpha Condé. Je vais le critiquer pourquoi? Qu'est-ce qu'on va dire de nouveau? Crément Moufan, on ne l'a pas dit, on n'a pas mis des vidéos. Qu'est-ce qu'on va dire encore? La Guinée, qu'est-ce qu'on va dire? Mais moi, je ne me répète pas. On a dit tout. Les Guinéens ont fermé les yeux. Ils veulent ça. Et puis, c'est bon là. Je ne suis plus là-dedans là. Je suis dans mon coin. Tranquille. Ah, mais Tigui. Donc, Tigui, s'il te plaît, va. Il faut prendre un autre élan. Mais pas ce que tu fais comme ça, quoi. Il ne faut pas mentir sur quelqu'un. Je ne te connais pas, menteuse. Hein, mais, il vit dans la barre. Où les deux?